Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Voici venu l'heure de nous torturer les méninges en ce qui nous concerne. Et vous, de réfléchir avec nous. J'ai pour cela, vous l'avez lu au passage du générique, le professeur Mpoi Kamulai et monsieur Modeste Bonikaba. J'ai toujours été un assez bon étudiant. Alors, je ne sais pas si j'ai bien retenu. Nous avons d'abord abordé, il y a 15 jours, le temps. Et puis aujourd'hui, si j'ai bien retenu la leçon de professeur, nous abordons le travail. Quelque part, les deux se rejoignent. N'est-ce pas, professeur? Je peux même vous rappeler ce que vous avez dit. Enfin... Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, le temps et le travail, c'est l'envers et le revers d'une même médaille. Voilà, vous avez complètement... Vous me faites vraiment honneur. Merci, professeur. Alors, la réaction de Modeste Bonikaba. Non, mais je crois qu'effectivement, on a l'impression que c'est la même chose, alors que le travail traduit maintenant l'effort qu'on fait pour recevoir en retour un certain salaire parce qu'on a utilisé son temps à faire quelque chose. Donc, on utilise son temps à faire un travail quelconque pour lequel on est rémunéré. Professeur, réaction ? Alors... et vous me passerez toujours l'expression parce que c'est mon vieux frère. De quelques mois. Bah ben, on est toujours vieux. Quand on vieillit ensemble, j'avais vu, il y avait une publicité qui indiquait, je ne sais pas, cette Eurobank, comment vieillir ensemble est une chose merveilleuse. Eh bien, parce que tout ça, c'est le travail que l'on a fait ensemble depuis longtemps. Le travail et l'argent vont de pair, mais aujourd'hui nous parlons spécifiquement du travail, puisque le travail est d'abord l'activité, l'unique activité à travers laquelle l'homme se réalise en tant qu'homme, l'activité qui différencie l'homme de l'animal. Parce que pour vivre, l'homme... En tout cas, l'homme moderne, l'homme contemporain, a besoin de travailler. Il ne peut plus se contenter d'être comme l'animal qui, lui, reçoit tout de la nature. Le seul travail, si travail il y a du côté de l'animal, c'est d'aller vers la nature pour obtenir ce que la nature a gracieusement mis à sa disposition. Mmh. Le singe qui se rapproche le plus de l'homme, oui, doit grimper à l'arbre pour cueillir ou pour prendre les fruits que l'arbre a produits. Le lion doit poursuivre la gazelle ou toute autre proie. Il doit dépenser une énergie, mais pour prendre ce que la nature a mis à sa disposition. Par contre, lorsqu'il s'agit de l'homme, le temps de la cueillette est largement passé. Aujourd'hui, si l'homme devait se contenter de cueillir, il constatera très vite qu'il n'y a plus rien à cueillir. Et donc, c'est à travers le travail que l'homme se réalise en tant qu'un être humain. Réaction de Modeste Bonikaba. Je poserai une question au professeur tout à l'heure. Oui, disons que nous allons nous rendre compte que la valorisation du travail doit être considérée comme quelque chose de très important. Parce que c'est cela qui va permettre à l'homme de vivre de son travail et de vivre dans la dignité. C'est pour cela qu'on a imaginé ce qu'on appelle le SMIG,
le salaire minimum interprofessionnel garanti. Parce qu'il faut que l'homme qui travaille puisse avoir un minimum de revenus pour pouvoir vivre décemment. Et je crois que ça, c'est l'un des problèmes que nous avons dans nos pays comme le Congo, où on n'a pas fait attention à cela. Parce que le fait de n'avoir pas suffisamment valorisé le travail fait que finalement, on ne travaille pas, ou on fait semblant de travailler. On est proche de la cueillette. Donc on reste presque toujours dans la cueillette. Parce que le fait de ne pas avoir peur de perdre son travail pousse finalement au service minimum en quelque sorte. Mais si on avait fait attention, moi je remarque comment en Europe, dès que vous décrochez un contrat à durée indéterminée, tout s'ouvre pour vous. Les banques viennent parce qu'ils savent que vous avez un travail garanti pendant un certain temps et donc vous serez en mesure de payer les crédits que vous allez solliciter, etc. Tout à fait. Donc, le fait de n'avoir pas intégré cela dans nos analyses, nos politiques, fait que le travail chez nous est dévalorisé. Et ça, c'est très grave. Je crois que c'est ça qui nous met dans cette situation de sous-développement. Professeur, vous avez dit pour l'homme moderne, mais il semble que nous ne soyons pas très loin de la cueillette. Alors le travail pour nous, il a été dévalorisé, comme le dit M. Modeste. Ou il a été mal organisé, ou il n'a pas été bien compris. Alors, je ne dirais ceci en ce qui concerne. Avant même d'aller plus en avant, je me suis torturé le ménage, quoi, pour reprendre votre expression, en préparant cette émission, pour aller voir un peu ce que tout le monde peut avoir aujourd'hui avec cet instrument qu'on appelle l'Internet et le téléphone qui nous permet d'accéder à cette bibliothèque universelle. Et quand on va sur Internet, on trouvera beaucoup de choses. Il suffit d'interroger intelligemment l'Internet. Et par exemple, j'ai pris à tout hasard pourquoi est-ce qu'on doit travailler ou pourquoi est-ce qu'on veut travailler. Et vous lirez, si on travaille pour gagner sa vie, pour exister socialement, c'est-à-dire être connu et reconnu, voir des gens et enfin pour faire des choses qui nous intéressent. Soigner, enregistrer, réparer, écrire, etc. Donc, pour nous, quand vous avez dit nous sommes peut-être plus proches de la cueillette, et ça me ramène tout de suite à la situation qui a prévalu, et je demande déjà l'indulgence de nos spectateurs. Je dirais avant l'arrivée des Diego Cao, ou de manière plus percutante avant l'arrivée des Blancs. Moi, je préfère parler de des individus qui ont été les premiers. Et donc, avant l'arrivée des Blancs, nous étions là avec une nature généreuse. Et vous m'avez entendu évoquer le cas du singe, qui est notre cousin le plus proche. Et dans cet environnement-là, évidemment, nous pouvions nous contenter de la cueillette. Parce que nous vivions dans l'environnement. C'est peut-être le cas aujourd'hui pour certains de nos compatriotes qui sont encore beaucoup plus proches de la nature dans nos villages. Mais les Blancs nous ont apporté un phénomène qui est celui de l'urbanisation. Et ce qui fait que nous avons, par exemple, une ville, la troisième mégalopole d'Afrique, qui est Kinshasa, après le Caire et Lagos. Eh bien, dans cette ville, je ne sais pas encore très bien s'il y a des endroits où on peut aller cueillir quoi que ce soit. On ne peut pas aller trouver des bitekoteku à prendre comme ça. Gracieusement. On ne peut pas trouver de maïs, on ne peut rien trouver. Même le safou,
Vous ne pouvez pas juste aller le cueillir parce que cet arbre généreux se trouve, a été planté par quelqu'un sur un lopin de terre qui appartient à quelqu'un. Et cette personne ne peut... avant, c'était bien facile. Et on peut le voir aujourd'hui encore avec le safou, avec les mangues, à la période. Si vous, vous avez des mangues ou des safou qui sont en surnombre, eh bien, vous verrez des mamans qui vont venir devant votre parcelle pour vous dire « Papa, est-ce que je peux en avoir un peu ?» Mais pas pour leur consommation. Pour ceux qui veulent consommer, mais qui ne peuvent pas cueillir. Et en retour, elles doivent lui donner de l'argent pour le temps. Voyez, le temps que la bonne maman a dépensé pour venir demander au papa généreux d'une parcelle sur laquelle il y a un safou qui produit. Cette combinaison de temps et de travail, puisqu'il a fallu qu'elle-même monte à l'arbre ou qu'elle fasse monter quelqu'un qui va se faire payer pour aller cueillir. Donc la cueillette appartient totalement, je dirais, au passé. Aujourd'hui, on doit cueillir ce que l'on a semé. Semé par l'effort. Par l'effort, c'est-à-dire cet effort, c'est le travail. Et donc, pour d'abord la consommation, la survie, mais plus on s'éloigne du village, plus les éléments que je viens de citer, la connaissance et la reconnaissance pour être connu et pour être reconnu. Et donc, je suis aussi, bon, disons, je suis professeur, donc j'enseigne, et donc je suis connu parce que j'enseigne, je suis reconnu parce que je, à travers cet enseignement, je fournis un effort qui me valorise et qui valorise ceux qui se mettent à l'écoute de ce que je veux partager avec eux. Donc voilà la problématique du travail, et au fur et à mesure que nous avançons dans notre réflexion, dans notre conversation, nous allons épingler les autres éléments du travail qui vont nous amener à nous poser la question, savoir pourquoi est-ce que tout le monde ou chacun qui voudrait travailler n'arrive pas à trouver la manière de valoriser son temps à travers le travail. Modeste Bonigaba, réaction. Oui, beaucoup de choses à dire. En fait, on se rend compte qu'une société qui ne s'organise pas de façon appropriée pour valoriser le travail de chaque individu est une société qui ne peut pas se développer. Parce qu'aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, on oublie qu'on devrait d'abord se demander qu'est-ce qu'une personne qui n'a que ses deux mains pour travailler, qu'est-ce que cette personne peut produire, et se demander si avec ses deux mains il peut arriver à produire suffisamment de fruits ou d'autres choses, produits de l'agriculture, de manière à avoir une vie décente. Si on avait pris les choses par ce bout-là, on serait plus attentif à tout ce qui concerne le chômage de masse, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a une variété de pommes de terre, par exemple, qui permet de produire 40 tonnes à l'hectare. 40 tonnes à l'hectare... Même effectivement, une personne qui n'a que ses deux mains peut arriver à faire un hectare de choses, un champ d'un hectare de pommes de terre. 40 tonnes à l'hectare, ça veut dire, même s'il vend sa pomme de terre, je sais que si vous entrez dans une alimentation, le kilo, c'est dans les 2 dollars au moins. S'il lui arrive à vendre même à 1,5 dollar le produit de sa culture, il a 20 000 dollars par récolte. Or, il peut faire au moins 3 récoltes par an.
Vous rendez compte à quel point quelqu'un qui n'a que ses deux mains peut devenir riche, parce que s'il a 60 000 dollars de revenus, ce n'est pas combien de gens ont ça ici ou dans le monde. Nous avons donc ça veut dire qu'une organisation pointue du travail très bien. Peut permettre à toute société de facilement améliorer le revenu individuel et collectif. Vous avez pris l'exemple de la pomme de terre, mais la pomme de terre, il n'y a pas de terre propice pour la pomme de terre partout. Tout à fait. Donc, l'exemple, c'est tout simplement à titre exemplatif que vous avez donné, l'exemple de la pomme de terre. On peut parler... On peut multiplier les exemples. Oui. Maïs et tout ça. Oui. N'est-ce pas, professeur? Mais bien sûr, vous venez de citer le maïs. N'est-ce pas? Oh, le maïs. On en parle dans notre pays. Le fameux maïs qui venait du Kassai, bon, pour moi qui suis du Katanga, nous consommions ce maïs qui nous venait du Kassai et aujourd'hui, bon. On ne veut pas provoquer, être provocateur, mais nous savons, parce que nous suivons l'actualité, une délégation ô combien importante est allée dans un pays semi-aride pour trouver comment est-ce qu'on pourrait résorber la crise de maïs dans notre propre pays. C'est un problème d'organisation. Voilà, je pense que ce n'est pas à tout hasard que vous nous avez ramené au maïs. Bien entendu, la pomme de terre, évidemment, Modeste vient d'une région où voilà, la pomme de terre... Oui. Alors pour nous qui venons des régions où le maïs... alors, on pouvait bien dire qu'il a tout à fait raison, mais on nous a mené là tout de suite à une problématique que j'aurais voulu aborder un peu plus tard dans l'émission, l'organisation du travail, comment atteindre, parce que nous avons un économiste ici, le plein emploi dans notre pays. Pour le plus grand nombre. Alors, au bénéfice du plus grand. Avant cela, moi, je voudrais rester un peu dans les nuages, c'est-à-dire parler un peu de manière philosophique. Oui. Sur l'importance du travail et sur la manière dont chaque individu devrait apprendre à aimer le travail. Parce que nous avons d'abord un problème fondamental dans notre pays, c'est qu'il y a une... voudrais trouver un terme. Il y a une discordance entre les aspirations de certains individus et leurs attentes par rapport au fonctionnement de la société. Quand nous préparions cette émission, j'ai évoqué l'exemple de ma petite fille. Je disais que en Amérique, j'étais occupé à travailler Dans votre jardin. Oui. Et puis votre toute petite fille commençait à venir et à imiter vos gestes. Voilà, exactement. Elle plaignait du plaisir à faire cela, et donc elle apprenait déjà à travailler. Et de fil en aiguille, nous sommes allés à évoquer la manière dont les enfants deviennent un enfant de maçon, généralement deviendra maçon, les enfants de forgerons, parce que dans les villages, il y avait une grande spécialisation de métier. Et donc, quand on était chasseur, très naturellement, vos enfants mâles devenaient eux aussi des chasseurs. Mais parce qu'ils se rendaient compte que le travail de leurs parents était intéressant, parvenait à les nourrir. Non seulement parce qu'ils se rendaient compte, mais parce que tout naturellement, oui. La socialisation se fait à travers le travail. L'enfant, quand il est enfant, il apprend constamment aux côtés de ses parents. Par exemple, dans notre société qui est encore très masculine, le travail de cuisine n'est pas réservé aux garçons. Alors,
Bon, je ne vais pas amuser la galerie ici en disant que moi, ma mère n'a eu que des garçons et donc nous avons appris à faire tout ça. Mais quand je suis devenu plus adulte et surtout quand je me trouve en face mes belles-sœurs, elles estiment que la cuisine est un domaine exclusif ou exclusivement réservé aux femmes. Et donc, parlons maintenant de cette socialisation qui se fait à travers le travail. Qu'est-ce que nous voyons? Il y a eu une discordance entre la manière dont nous appréhendons le travail aujourd'hui et la facilité. Nous avons aussi évoqué le cas, par exemple, de nos artistes. Nous avons dit qu'ailleurs, lorsque vous voyez, ailleurs pour ne pas dire en Occident, vous voyez un orchestre, il y a toute une spécialisation des activités. On constate un grand nombre de personnes, chacune appliquée à son instrument pour produire un son agréable. Ouais. Non seulement à son instrument, il y a des activités parce que la production artistique, la musique par exemple, c'est un travail. Et regardez ce qui se passe dans l'articulation de la production artistique. Lorsqu'il y a un concert, il y a ceux qui vont aller, les spectateurs, ou ceux qui vont là pour se détendre. Est-ce qu'ils travaillent ou non? Alors, si... Ils sont passifs là. Alors, ils dépensent une somme d'argent qui va enrichir le producteur du spectacle. Mmh. Dans la réalisation du spectacle, quand nous avons parlé de la conjugaison des multiples travailleurs, il y a le costumier, par exemple, il y a l'impresario, il y a le manager, et ce sont des activités qui sont accomplies par plusieurs personnes. Ici, chez nous, l'orchestre est une affaire de chef d'orchestre. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui s'occupe de la conception. C'est lui qui recrute tous les ceux qui doivent l'accompagner dans la production de la musique, les danseuses. Mais c'est lui qui bouffe tout. C'est lui qui fait le marketing. Et etc. Et donc, vous voyez comment la conception du travail, telle que ailleurs il a évolué, chez nous, ça se résume et ça se ramène à un individu. Et très généralement, et la même chose se reproduit au niveau de nos familles. Lorsqu'il y en a un qui travaille, il devient par nécessité le pourvoyeur de toute la famille. Même donc, des paresseux, bah, surtout. Alors, c'est vous qui le dites. Parce que moi, si j'ose le dire, je pense que je pourrais avoir beaucoup de problèmes avec certains membres de ma famille. Toute vérité n'étant pas bonne à dire. Bon. Ah ben, le mot a déjà été lâché, donc j'espère que je n'aurai pas quelques explications à donner après que cette émission sera sur les airs. Donc, alors... Je reviens en arrière pour dire, quand il s'agit des métiers et que nous avons expliqué comment les enfants apprennent et que la dissociation entre l'effort que l'on doit fournir dès le bas âge pour obtenir les résultats escomptés et que ce sont les parents qui veillent à entraîner, à former, si je dois utiliser cette expression, leurs enfants dès leur bas âge. Alors, si chez nous, par exemple, et ce n'est pas un phénomène... Ben oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous, pardon. Ce sont les parents. Aujourd'hui, c'est l'école qui a pris, le relais des parents. Mais on commence... Il y a une succession, l'apprentissage ou la formation, c'est ce que je... Parce que l'apprentissage, c'est l'effort est mis sur l'apprenti qui fournit l'effort d'apprendre. Oui. Et la formation, l'effort est peut-être mis sur le formateur, mais il y a cette conjugaison entre les deux.
Et donc, je voulais donner un exemple qui fait couler beaucoup d'encre dans notre pays, ou de salive, je devrais dire, puisque je suis professeur et nous entendons beaucoup cette expression « nos enfants d'abord », qu'on attribue aux professeurs. Parce que les enfants des professeurs deviennent, ou il y en a beaucoup qui sont devenus, eux aussi des professeurs. Mais ce n'est pas propre au Congo. Mais pas tous bons, hein. Chez nous au Congo, tous ne sont pas bons. Non, mais ce que je veux démontrer ici, c'est quoi? C'est que de la même manière qu'un enfant de forgeron devient tout naturellement forgeron, beaucoup de professeurs ou tous les intellectuels, et je dis ça maintenant parce que nous le voyons, nous des professeurs, un professeur prendra beaucoup de temps et de soins à entraîner et à former son enfant dès son bas âge à poursuivre l'excellence. Et donc c'est quasiment tout naturellement que l'enfant, voyant ce que son père fait au quotidien, ou sa mère, parce que ce n'est pas une profession exclusivement masculine. Et donc, les enfants auront tendance à, et non pas seulement auront tendance, à intérioriser de leur bas âge ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Et donc, quand ils deviennent eux aussi professeurs à leur tour, ce n'est pas parce qu'il y a eu du favoritisme comme nous avons... Ce n'est pas toujours parce qu'il y a eu du favoritisme. Non, je voudrais mettre en exergue ici les principes. Parce que chez nous, on pense et on affirme que c'est du favoritisme. C'est pour ça que je voudrais que nos téléspectateurs comprennent ce que je donne comme... C'est la même chose avec les enfants de médecins ou les enfants des avocats. Et comme je suis professeur et avocat, je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a des enfants qui ne veulent pas du tout suivre dans les traces de leurs parents. Mais pour ceux qui suivent, je voudrais que nos compatriotes cessent de penser que c'est forcément du favoritisme, surtout lorsqu'il s'agit de métiers. Mais il y a évidemment d'autres métiers, et c'est pour cela qu'on fait l'amalgame, la politique. On sait bien, c'est... Alors, il y avait, je ne sais pas... Professeur, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Je voudrais quand même que, après tout ce que vous avez dit... que M. Modeste Bonigaba, qui vous suivait vraiment à la lettre, puisse réagir. Oui, parce que nous sommes en train de dire à nos téléspectateurs que, au départ, le travail était en quelque sorte quelque chose de sommaire. Mais avec le temps, ça s'est affiné davantage. Parce que la société elle-même est devenue plus complexe, mieux organisée. C'est ainsi qu'en économie, on a parlé de l'organisation scientifique du travail. Très bien. C'est la théorie d'un certain Taylor. Eh bien, on a atteint un niveau où il faut que chacun se spécialise dans une tâche bien précise. Parce que sinon, s'il devait faire à la fois ça, d'abord le résultat n'est pas, la qualité n'est pas bonne. Parce qu'à force de se disperser, il n'arrive pas à faire correctement avec les exigences requises les différentes tâches. Alors on dit non, toi tu vas seulement rester dans telle tâche. Toi dans telle tâche. Au point que aujourd'hui, on parle même de la division, c'est là qu'on a d'ailleurs justement développé la théorie de la division du travail. La division du travail, c'est dire que on est tous sur un même bateau, mais chacun a le travail qu'il maîtrise, qu'il sait faire, et il ne fait que ça. Alors évidemment, le salaire, ça doit aller de pair avec les salaires. Il faut que les salaires aussi soient
progressivement améliorée parce que la consommation, tout ça c'est vraiment l'économie. La consommation, c'est ça qui fait tourner l'économie, qui fait tourner les industries. Donc, nous, on sent que nous, en tant que pays, le Congo, on sent qu'on est tout à fait en dehors de ce schéma-là. Donc, on n'a pas compris que plus il y a des travailleurs qui produisent, plus il y a de l'argent pour consommer, plus les usines aussi produisent. Et c'est ça le développement. Mm-hmm. Mais nous, comme nous sommes dans des économies extraverties, on importe, voilà, même le maïs. Donc ça montre que... Abandonnons la politique aux politiciens. Oui. Non, c'est pour montrer à quel point nous sommes en retard par rapport à ce qui devrait être fait. Donc le travail doit être perçu comme un facteur important dans l'économie d'un pays. Donc les gens doivent tous avoir un emploi. Ça doit être ça l'objectif de tout gouvernement soucieux de faire en sorte que les choses marchent, même s'ils n'arrivent pas toujours à donner du travail à tout le monde. Mais cela ne veut pas dire, parce que souvent chez nous, le raccourci c'est quoi? C'est distribuer des numéros matricules dans l'administration alors qu'il n'y a pas de travail à faire là-bas. Donc ça, ce n'est pas la chose à suivre. Il faut au contraire s'assurer que chaque agent de l'État... qui a son numéro matricule... a un vrai emploi, travail qui produit. Parce que sinon, ça dévalorise tout le reste. Tout le reste. Et c'est malheureusement la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Professeur. Oui, très bien. Je pense que je vais abonder dans le sens de notre frère économiste parce que il est maintenant temps que nous déplacions cette conversation vers les aspects économiques du travail après avoir parlé de philosophie. On aime mettre l'accent dans notre pays sur le secteur public. Alors que ailleurs, le moteur de l'économie, c'est l'individu. Je n'ai pas osé dire le secteur privé. Alors pourquoi est-ce que dans un pays comme le nôtre, un pays où tout est encore à faire, on se plaint du travail et on ne voit que l'État comme celui qui doit tout donner, qui doit donner le travail et le travail bureaucratique. Parce que c'est ça une séquelle immédiate de la manière dont nous avons conçu et perçu l'indépendance. Nous n'avons pas appréhendé que ce que l'État colonial avait fait, c'était aménager les conditions pour permettre aux individus, ce qu'on appelle le secteur privé, de créer la richesse. Et alors, on a confondu tout ça en disant, c'est non, les autres sont venus piller. Mais ils ne sont pas venus piller, ils sont venus donner, valoriser. Nous avons parlé tout à l'heure de la valeur, des chaînes de valeur. Parce que quand vous avez un diamant, et le pape François, durant sa visite, a utilisé cette image, cette métaphore du diamant. Mais un diamant n'est qu'une pierre. Et tant qu'il est dans le sol, enfoui dans le sol, il n'a aucune valeur. Strictement aucune. Et lorsque l'on dit, lorsque nous disons que les Occidentaux sont venus pour piller ce qu'il y avait, nos richesses. Mais nous ne réalisons pas que nous nous trompons royalement. Alors nous ne voyons que ce qui a été valorisé. Mais aujourd'hui, il y a une autre ressource que nous avons en surabondance. Laquelle? Le soleil. Tiens, je ne vous attendais pas là. Alors voilà, parce que ce sont des choses auxquelles nous ne pensons pas. Pour créer, alors, pour faire l'électricité. Mais pour faire,
Et donc aujourd'hui, nous avons pensé au grand Inga, parce que, mais nous ne réalisons pas que ailleurs aujourd'hui, des industries fonctionnent sur la base de l'énergie solaire que nous avons en surabondance. L'eau. Ah oui, ah oui. Que nous avons. Nous avons une partie du pays qui est arrosée 365 jours par an. Et donc tout ça, nous ne appréhendons pas la manière de continuer à valoriser. Donc nous revenons à 1960 où le rôle de valorisation que le colonisateur a joué n'a pas été perçu comme tel. Nous nous sommes vus tous comme devant nous asseoir sur le fauteuil qui était hier occupé par un blanc administrateur qui concevait la valorisation des ressources existantes. Et quand nous nous sommes assis sur ce fauteuil, nous avons arrêté littéralement de songer à la valorisation. Ok, je voudrais que vous arrêtiez là. Parce que, Modeste, non mais réagissez. Parce que nous avons fait plusieurs émissions là-dessus. Je vous attends quelque part. Oui, c'est-à-dire que la rémunération du travail a fait que aujourd'hui, après l'indépendance, tout le monde a cru que le chemin le plus court, c'est faire la politique. Donc, on a perdu de vue qu'effectivement, il y avait un système productif très cohérent qui fonctionnait bien naturellement pour le bénéfice de celui qui l'avait mis en place. Bien sûr, bien sûr. Mais une fois que l'indépendance arrive et qu'il faut maintenant prendre possession de tout ce que la colonisation avait réalisé, nous sommes restés dans la logique de seulement, disons, des rentiers, de continuer à vivre de ces rentes que tout le système rapportait, au lieu de nous demander, mais comment faire en sorte que désormais, cette économie soit tournée vers nous-mêmes d'abord, la réalisation de, comment dirais-je, la production soit effectivement appartiennent d'abord aux Congolais, parce qu'aujourd'hui, le capital vient de l'extérieur. On a perdu de vue que nous pouvons créer le capital national, faire en sorte que le capitalisme soit national, avec ce qu'on a appelé, mais c'était un peu pour finalement galvauder le sujet, le terme, le capitalisme, l'actionnariat populaire. Il est possible, en se mettant ensemble, pour un État qui veut effectivement transférer la richesse aux nationaux, de mettre en place un système qui permette à nous tous d'être des actionnaires. Parce que l'État peut même provoquer, décréter une épargne forcée. Du temps de la colonie, ça existait. Oui, pour éviter d'abord qu'il y ait surchauffe, qu'il y ait inflation. Il peut provoquer une épargne forcée qu'on affecte justement à l'achat de ces actions-là. Donc, vous n'êtes pas directement, ce n'est pas votre portefeuille qui paye parce que vous n'avez pas vu cet argent. On a épargné pour vous permettre d'acheter des actions dans une entreprise. Même les entreprises minières, il ne faut pas croire qu'il n'y a que les étrangers qui peuvent investir dans l'industrie minière. Donc, on a toute une conception de l'économie qui est complètement extraverti et qui nous empêche de prendre réellement possession de nos richesses. Oui, mais l'exemple est là, il n'y a aucune banque congolaise. Voilà. Je vous permettez de réagir un peu parce que je m'inscris totalement en faux. J'ai entendu certains termes comme nous permettant de prendre possession de nos richesses, comme si quelqu'un d'autre en avait pris la possession.
Or, nous avons tous été témoins de la zélianisation et des méfaits de la zélianisation que nous continuons à subir jusqu'à ce jour. Nous savons la Chine. Lorsqu'en 1968, si je ne m'abuse, Alain Perefitte écrit son fameux livre « Quand la Chine se verra, le monde tremblera ». On pensait que c'était un roman fiction. Et pendant longtemps, parce que nous avons tous la plupart des Africains ou les colonisés de date récente, c'est-à-dire l'Amérique latine et l'Afrique, continuent à se définir principalement par rapport à la colonisation. Et j'évoque l'exemple de la Chine pour dire que depuis 1949, la révolution de Mao Zedong et la croyance ferme que le communisme était la clé du progrès et que le capitalisme était l'ennemi à battre. Pendant tout le temps que la Chine a suivi ce modèle, ils n'étaient allés nulle part. Mais ils étaient en train de poser les jalons, et nous y reviendrons avec votre permission, notamment à travers le service militaire obligatoire. Et donc... Au prix de nombreux morts, ma faim. Et donc, lorsque ils se sont avisés à partir des années 80, parce que le fameux voyage de Nixon en Chine en 72 avait ouvert l'ère d'une nouvelle vision des choses en Chine. Et donc, ont compris, oui, je serai, lorsque les Chinois ont compris que le travail et le capital sont l'envers et le revers d'une même médaille. Lorsqu'ils ont compris que le capitaliste ne pouvait pas et n'était pas l'ennemi de la Chine. Et donc, lorsqu'ils ont revisé leur construction mentale, eh bien, aujourd'hui, la prédiction d'Alain Perefitte s'est réalisée. Moi, je ne pense pas que nous devons continuer. Le changement de paradigme que nous devons faire est fondamental. Il résiderait en quoi ? Il résiderait d'abord à comprendre que nous sommes nous-mêmes les fossoyeurs de notre République. Nous avons hérité un pays qui fonctionnait, qui faisait l'envie du monde. Nous l'avons détruit 63 ans après. Il y a des pays qui ont... Regardez le Botswana. Exemple vous fourni par le récent voyage... Qui vous a rafraîchi la mémoire. Ah bon, mais je ne sais pas si c'est... vous a rafraîchi la mémoire. Vous nous avez invité à ne pas faire de la politique ici, ou de ne pas parler de politique. D'accord. Je pensais que vous alliez parler de l'Allemagne et de faire du... Oh là là. Vous m'avez provoqué. Mais là où je voulais m'inscrire, je vous ai posé la question, en quoi faisons ? Oui. Alors, j'ai dit précisément... En changeant de paradigme, nous devons cesser de continuer à nous considérer comme des colonisés. Oui, mais le problème, c'est un paradigme, c'est mental. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, fort malheureusement, je suis payé pour le savoir. Dans nos universités, les professeurs d'université que nous sommes continuent à véhiculer les idées qui appartiennent à l'époque de France Fanon, avec tout le respect que je dois à ceux qui nous ont précédés. Il est temps que nous comprenions que nous ne devons pas continuer à nous battre pour nous décoloniser. Il n'y a plus personne qui veut nous coloniser. Et donc, mais personne ne veut nous coloniser. Et on entend tout ce que nous entendons.
la balkanisation du Congo, les compagnies multinationales. Mais vous voyez bien que j'hésite parce que je ne veux pas ici. Allez-y. Non, je ne veux pas faire appel à mes expériences antérieures. Parce que je trouve que ça ne dessert. Mais je voudrais nous dire ceci. Pendant que les autres essayent d'avancer, nous en particulier, les intellectuels congolais, nous nous contentons de gémir. Nous nous contentons d'accuser l'Occident comme étant le fossoyeur de tous nos maux. Et nous ne voulons pas commencer à réfléchir en d'autres termes pour dire, regardons, assumons-nous. Mm-hmm. Assumons-nous en nous dotant des dirigeants qui ont une vision véritable, d'abord une compréhension de la situation. Ça ne s'improvise pas. Ça ne vient pas de la Providence. La Providence ne nous enverra pas un chef qui du jour au lendemain aura un bâton magique qui va transformer ce pays. Nous devons commencer par avoir un discours adulte. Aujourd'hui, nous avons un discours enfantin. Nous continuons à blâmer le colonisateur pour notre situation d'aujourd'hui. Et nous devons nous poser la simple question. Comment est-ce que nous avons aujourd'hui, et je vais parler d'un domaine que je connais un peu mieux, c'est le droit. Nous avons 100, je n'ai pas vérifié les chiffres, mais je parle avec les magistrats, qui me disent, nous avons 120 juges à la cour d'appel de Matete. 120. Nous avons presque 75 ou 80 juges à la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Mais comment est-ce que ça se compte? Alors, tout le monde reste ici avec des matricules pour ne rien faire. Les juges n'ont pas de bureau. Et donc, et je connais quand même un peu mieux la justice parce que tout le monde la critique dit combien elle est corrompue. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, il y a eu des états généraux de la justice dans lesquels ça a été dit. Les ministres donc, l'ont dit eux-mêmes. Eux-mêmes. Donc ce que nous devons faire, c'est que nous devons sortir de notre infantilisme et comprendre que nous devons tant que nous avoir un discours adulte. Tant mais que nous qui... continuerons mmh. à nous doter, comme mon frère ici aime dire, des chances et l'okopamba pour diriger ce pays, nous ne sortirons pas de la galère. Et donc, il n'y aura pas de travail. Alors que quand on aura résolu cette équation et que nous aurons changé de paradigme, on va voir, et c'était le sujet, et je vais terminer par là, oui. de nos émissions antérieures sur l'Eldorado, parce que le travail, c'est quoi? Toute personne humaine est mue par son propre intérêt. Le travail, c'est la voie, le passage obligé par lequel l'homme devient homme. D'accord. Se réalise comme homme. Et quand nous aurons commencé à faire ça, on verra que les gens vont venir vers le Congo, pas pour exploiter le Congo, mais pour réaliser eux-mêmes leur bonheur ici au Congo avec les Congolais. D'accord. Mais là où je n'étais pas d'accord avec vous, permettez-moi, c'est que vous avez semblé nier que dans un premier temps, ils étaient là pour se servir. Et quand quelqu'un est là pour se servir, il n'a pas intérêt que quelqu'un d'autre, propriétaire de terre soit-il, puisse lui enlever le beefsteak. Mais quant à dire que nous devons avoir un discours adulte, je suis complètement d'accord avec vous. Monsieur Bonnicam. Oui, je crois que finalement, on n'est pas opposé. Je crois qu'on a des angles d'attaque oui, différents. Parce que ce que vient de dire mon vieux frère, le prof. Ce sont tous des vieux de 70 ans. C'est et que, plus. En réalité, il existe un seuil de bonne gouvernance globale. Je dis global parce que ça veut dire dans tous les secteurs en même temps. Mm-hmm.
On ne peut pas croire qu'on peut faire des choses très bien ici, mais côté justice, on ne fait pas bien les choses et que ça va marcher. Non, c'est le tout ensemble. Il y a un seuil où la bonne gouvernance est présente partout. Ce seuil-là, c'est ça que nous devons rechercher. À partir de ce moment-là, tous les pays du monde vont venir nous proposer ceci ou cela de faire. C'est parce que ce seuil manque qu'on veut nous sous-traiter l'affaire ? Exactement. C'est-à-dire la gouvernance est au cœur de la problématique de notre développement. Parce que, comme vient de le dire le prof ici, la Chine, dès que Deng Xiaoping a compris que le capitalisme ne pouvait pas être opposé au communisme dans le sens de dire ça ne peut pas aller ensemble, il a trouvé une formule que j'admire, je sors chaque fois. Pour peu importe qu'un chat soit noir ou gris, pourvu qu'il attrape des souris. Autrement dit, seule l'efficacité managériale compte. Le reste, c'est du blabla. Et nous, on n'a pas encore compris cela. C'est ça qu'il, quand il dit qu'il faut changer de paradigme, c'est parce qu'il faut se focaliser sur cela. Pour dire comment faire en sorte que, par exemple, pour être concret, chaque centime dû à l'État tombe effectivement dans ses caisses. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Et comment faire en sorte que dès que l'argent est là dans la caisse, ne sorte que pour régler les vraies créances de l'État, parce que nous sommes ici, nous savons tous qu'il y a beaucoup de fausses créances, de fausses factures, etc. Donc cette organisation-là, pointu, qui nous permet d'arriver à ça, c'est ça que nous devons rechercher. Très bien. Le reste, c'est du verbiage. C'est du verbiage. Effectivement, je suis d'accord avec tous les deux. Le discours adulte, c'est celui-là. Véritablement, de nous prendre en charge, en nous disant, c'est dans tous les secteurs que nous devons changer. Si l'un pense que en continuant à tricher ici, le pays va bien se porter, eh bien, on se trompe, professeur. Mais vous avez tout à fait raison. Nous devons... nous convergeons, sinon cette émission ne serait pas profonde. N'est-ce pas? Mais la convergence, c'est précisément la divergence dans les approches et dans l'accent qui est mis sur la manière. Nous avons un réel problème avec notre peuple que nous, les intellectuels, je devrais dire, continuons à infantiliser. Nous voulons, et nous l'avons fait, par exemple, nous parlions tout à l'heure des langues. Moi, j'ai eu, je ne sais pas si c'est un privilège, mais étant enfant d'évolué, je commençais ma scolarité en français. Et ma mère, comme j'ai dit dans les émissions passées, enseignait en Tchiluba. En 1960, nous sommes passés au français. Aujourd'hui, je ne sais même plus où est-ce qu'on est parce que... Je crois que ça n'existe plus. Hein, chez nous, soit Elibora, on n'enseigne plus. Hein. Non, je crois que c'est plus. Alors, nos propres langues, nous avons cessé. Ce sont les Blancs qui sont les Belges, pour ne pas les nommer, qui les ont. Ils ne les ont pas structurés, ils les ont écrits, ils ont développé la grammaire, ils les ont scientifiés. Et quand ils sont partis. Donc c'était venu peut-être un travail de quelques spécialistes qui s'y adonnent pour les études de leur mémoire ou de leur doctorat. Mais il n'y a plus de production de nos langues. Mais entre-temps, le français est devenu une langue qui n'est plus notre génération et encore. Mais on ne parle plus le français. C'est la langue, c'est écrit dans la Constitution que c'est la langue officielle, que c'est la langue de l'enseignement. Mais cette langue n'est plus maîtrisée par les enseignants. Non seulement à l'école primaire,
encore moins à l'école secondaire et même à l'université. C'est un problème fondamental que personne n'ose évoquer. Oui, mais le français est en perte de vitesse. Le français lui-même est en perte de vitesse. Et au lieu de réaliser cela, qu'est-ce que nous voyons? Vous avez entendu encore à la suite du passage de M. Macron ou de M. Sarkozy qui n'aura plus l'occasion de revenir. Ben oui, ici. Pour des raisons ne serait-ce que l'on pour, connaît, ne serait-ce juridiques. Que, ne serait-ce que les prochaines trois ans. Et donc, mais quand ces personnages arrivent ici, on s'agite. Nous avons entendu tout récemment des revendications de quitter la francophonie. Mais les jeux de la francophonie vont avoir lieu ici dans les deux, dans deux mois. Et donc, voilà les choses qui nous préoccupent. Nous devons prendre conscience, c'est ça, devenir adulte, que, un, l'élite d'un pays doit, dans tous les pays, l'élite demeure l'élite, elle doit maîtriser plus que la langue vernaculaire. Le lingala est une langue vernaculaire pour la ville de Kinshasa, un peu dans les autres villes, mais ce n'est pas une langue de communication, même nationale. Et alors, à Kinshasa, nous nous complaisons dans un nivellement par le bas pour dire le peuple ne comprend pas. Il faut, pour montrer que vous êtes un Mwanamboka, il faut parler le lingala. Je veux bien. Mais il y a un problème. Nous devons restituer, nous devons totalement repenser ce que nous voulons pour ce pays. D'accord. Les intellectuels ont une tâche importante et nous sommes heureux que notre émission est peut-être l'une des rares dans notre pays qui se donne à cela comme mission et comme tâche. Tout en ne provoquant pas des débats politiques, parce que c'est la passion qu'on provoque avec débat politique. Oui, mon cher ami, il ne reste plus que quelques minutes. Oui, je vous en donne trois, parce que le professeur, pas beaucoup. Bah ouais, il était formé pour devenir évêque. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, je crois que tout c'est ça... C'est un bon professeur. C'est pour nous amener... Merci pour le compliment. ...à nous dire que le constat est fait, tout le monde le sait. Ça fait 63 ans que nous sommes indépendants, mais manifestement, on n'a pas décollé. Je crois qu'il n'y a personne qui peut contester cela. Alors évidemment, on se demande, mais comment faire en sorte que le peuple et le Congo redécollent? Alors, on a compris que dans le système où nous nous trouvons, avec le chancelier Kopamba, ce n'est pas la bonne voie, manifestement. Parce que la rigueur... Il n'y a plus de rigueur. Il n'y a plus de rigueur. La rigueur qui doit faire en sorte que, même si c'est ton fils, toi qui es... Je ne sais pas qui, président de la République, premier ministre... Ou professeur d'université, ton fils... Ton fils n'est pas dans le droit chemin. Vous dites... Tu dois être en mesure de dire, ça ne passe pas. Si on n'arrive pas à revenir à ces choses-là, à des rigueurs, à ces fondamentaux, eh bien, on va de nouveau rater le décollage. Parce que le décollage doit être porté par tout le monde, mais avec comme fer de lance cette intelligentsia congolaise qui est dans toutes les strates, dans tous les milieux, cette intelligentsia qui a la capacité de saisir les enjeux du monde d'aujourd'hui, la place que le Congo doit occuper. Ce sont ces intellectuels-là qui sauront également comment relever les multiples défis qui se posent à nous, parce que pour arriver à nous mettre à la place où nous devons être, c'est d'énormes défis qu'il faut relever. Alors, donc il faut trouver un moyen de mobiliser toute la société, mais en comptant d'abord sur cette fraction qui est importante. Il n'y a pas,
ce n'est pas seulement 1%, c'est peut-être aujourd'hui au moins 30 à 40% de la population. Et ces hommes et ces femmes qui comprennent exactement là où ça coince. Le Congo est convoité par tout le monde, ça tout le monde le voit. Et donc il faut savoir comment organiser les choses de manière à faire face à ces convoitises et relever tous les défis qui se présentent à nous. Tout à fait. Et je crois que en aimant véritablement notre pays, quand on aime son enfant, on ne le pourrit pas. Quand on aime son enfant, on l'amène vers le droit chemin. Et si nous aimions, nous pouvions aimer ce pays véritablement en lui faisant pas du mal, on réussirait. Professeur, vous avez le dernier mot. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux encore dire après la conclusion que mon vieux frère... Vous avez une minute, utilisez-la. Merci. Non, il a parlé d'enjeux, des enjeux, il a parlé des défis. Et alors, est-ce que nous avons pris, est-ce que nous sommes en train de prendre la véritable mesure de ces défis? Je ne peux pas, et nous n'avons pas beaucoup de temps, parce que dans un peu moins de six mois, nous devons choisir les prochains responsables. Et on ne peut pas conclure une émission comme celle-ci sans dire que c'est le premier enjeu. Devons-nous, sommes-nous arrivés à un point de rupture avec notre complaisance et notre attitude bon enfant, de plaignant perpétuel, ou nous sommes arrivés à le désir irrépressible de la continuité? D'aucuns prétendraient qu'il vaut mieux continuer à manger avec ou à cheminer avec le diable que l'on connaît plutôt que de chercher l'ange qui pourra nous apporter de véritables surprises. Voilà la question que nous allons continuer à soulever pour que le 20 décembre, parce que la date est déjà fixée, pour que le 20 décembre, d'ici le 20 décembre, à tous les échelons, nous continuons à nous poser cette question et que nous continuons à mettre les intellectuels que nous sommes au défi de ne pas continuer à n'être que les caisses de résonance de la pensée unique, pour ne pas le dire. On n'est plus à l'âge de la pensée unique, enfin je le crois. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous avez bien compris que les choses sérieuses, nous devons, j'ai beaucoup aimé, afficher les attitudes des gens adultes. Ça, il faut, je crois, le retenir. Et si vous le retenez, eh bien, on aura fait œuvre utile. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.